Les amis, il est pas de nouveau vlog bien sûr à Letty. Et vous abonnez à la chaîne de la cloche sur les prochaines vidéos où on répond au sondage. Mais ouais, mais pourquoi on n'a pas sur le truc de base? Oui, on est dans le champ parce que j'ai appuyé sur le bouton sans faire exprès, c'est pas grave. Ça arrive d'appuyer sur les boutons des fois. Mais en vrai, je trouve que c'est un peu plus stylé. Ouais, on va répondre, vous allez, on va voir les réponses de la dernière vidéo. Mais ça se répond parce que là, on va parler du Letty. Vous allez voir à l'écran. On met combien de champs pour Letty 5 et vous avez répondu. Avoir 9 champs. Donc déjà c'est quand même beaucoup 9 champs. Mais bon voilà, c'est un objectif. En tout cas, l'objectif final, c'est d'avoir toutes les champs quand même. Et le sondage 2. On met combien de tracteurs minimum pour l'objectif 5. Et vous avez répondu 6 tracteurs. Voilà, c'est chill. C'est nice. Aujourd'hui, on va répondre parce que j'ai fait le premier deuxième et troisième avec vous. C'est dur, s'entendait en 2 jours parce que on est lundi, il faut qu'on finisse mardi et il y aura bien sûr un stream, etc. Là, on va commencer à récolter directement, hein, bien sûr, n'oublie pas. J'ai HM Ben aussi, on a 10 000 euros, on a 11 000 euros quasi, 11 000 euros, il est actuellement 6h30. Ça me suit les gars sur ma chaîne Kimmy CD pour les streams, d'ailleurs les chaînes. Et on va parler un petit peu aujourd'hui de nos familles quand ça démarre bien, ça fait déjà 2 jours que c'est sorti la série. Je sais pas vraiment ça vous plaît, ce style de série. Par contre, on va vous répéter quand même, est-ce que ça fait des bottes? Ouais, voilà. J'ai pas envie de louer. Ah ouais, mais ça marche pas ou quoi? Marche pas les andins. On peut pas faire ces andins. Oh putain, les gars, on va être obligé de louer de. Mais les gars, vous voyez avec la galère, on continue à galérer, les gars. Ça marche pas. Y'a rien qui marche, hein. De toute façon, on va s'inculter. Et aujourd'hui, les gars, on va faire les. Vous avez fait les objectifs, les gars, je vous ai préparé les objectifs. L'objectif 1, l'objectif à 30 000 euros, on a validé un objectif, avoir un champ, déjà, au bout de 12e épisode, on a déjà, 11e, on a validé. Mais voilà, peut-être on a ce jeu 2e, mais on a validé 11e, donc voilà, ça fait comme épisode. C'est validé, et voilà, vous avez préparé les 2 et les 3e. Pour l'objectif à 50 000 euros, pardon, il faut avoir 2 champs. Avoir un semoir de 3 mètres minimum, encore là, c'est respectable. Je crois que c'est pas minimum, je sais plus. Dans farming, je veux dire. Avoir 14 moutons, ça fait quand même pas mal quand même. Et avoir une moissonneuse, bah utif 2 parce que c'est là, ça serait pas mal d'en avoir une. D'abord, j'aimerais bien acheter une moissonneuse pour faire ça. Après, j'aimerais bien acheter des machines à bots, mais bots, il y en a pas en mode, hein. Je crois qu'on n'a pas en mode, hein. Je crois pas du tout. Je sais pas si on est en mode ou pas. Ça ne fait pas le tilt. La gueule, mais ouais, ça c'est trop cher. Non, 109 000, c'est la cuisine. 36 000. Oh ouais, mais c'est chiant en mode, hein. C'est de base, elle coûte combien celle de base? 35 000. Est-ce qu'on a une moins chère? Une botte. Non, c'est pas. Et ça fait combien en location? 105 000 euros, j'ai pas de la location. Hein. Oh putain, 5 000 euros, 5 000 en location. Ou soit, est-ce que je peux m'acheter un cultivateur? Et voilà, on va voir ça. Après, pour les utilisateurs à 95 000 euros, avoir 4 champs. Avoir 10 vaches. Pour vous, ça sera affiché comme moi. Un tracteur de plus de 160 chevaux. Donc déjà, je pense qu'on voudra, ouais, pour... et un cultivateur de 7 mètres minimum. Je pense que pour les utilisateurs à 30 ans minimum, je ferai un tracteur à 160 quand même. Je ne pourrais pas quand même valider comme l'utif 2, je vais commencer à valider. Non, j'utilise 3 ça même, hein. Ah, c'est pas. Non, j'utilise 3. Ouais. Et ça fait quand même. Bah, vous allez me dire, ouais, mais Kim, ça fait quand même beaucoup. Voilà. Donc, les 3 objectifs déjà sont validés. Déjà que c'est préparé. Déjà, il y a que ça préparé. J'utilise ça, je reprendrai ça plus tard. Parce que bah, pour l'instant, on n'est pas arrivé à là. Ouais, les 3 objectifs, ce sera pas mal, tu vas commencer. Déjà, avoir 4 champs dès la 3ème, ça fait quand même beaucoup. Parce que bon, avoir 4 champs, j'aurais bien acheté bah, celle du 30-31 qui me fera 100 000 euros.
Parce que. Et après, d'avoir l'autre à 6-7 champs quand même, ça serait déjà pas mal. Je pense qu'on peut passer un coup de cultivateur. Ouais, je... par contre, on a dépassé tout, mais. Ah ouais. De vue, hein, par contre, hein. C'est jamais arrivé sur passe sans rien. Ouais, un peu bizarre quand même. Il y a autant de vues. Bref, ouais. Bon, regardez, on va juste écouter 2 minutes. Après, je vais faire un accéléré. On va s'acheter un cultivateur. Je pense qu'on pourra pas s'acheter un cultivateur. Ça coûte combien de cultivateur en vrai? Ça coûte combien? Un petit. J'utilise quoi? C'est pas avoir un énorme. De toute façon, pour les buts de série, on pourra acheter une moissonneuse et tout. Je pense que celui-là, ça suffit amplement. Ouais, en tout cas, on va pas mettre très cher. Non, mais vachement cher, pas plus de chevaux, ça sert à rien. Ouais, 2000 euros. Non, on va surtout 7000 euros. Vous savez quoi? On va l'acheter directement. On va pas prendre une location, on va directement l'acheter. Et on va valider le deuxième objectif dans cette vidéo. Avoir un cultivateur. Bah oui, on va en acheter un. Ça sera 3000 euros. En tout cas, faut qu'on s'en prépare là. De hein. toute façon, on va commencer à en acheter un. Il reste 3000 euros dans la. Il reste 3100 dans la gueule. Déjà, on va pas t'en vider. Bon, ami, je vais m'en accélérer le temps que je finisse. Quoi. Le temps, pardon, pas le temps que je finisse, mais le temps quand même, on fasse une grande moitié. A tout de suite. Vous m'avez dit refaire quand même. Voilà, bon les gars, on va pas avoir fini. Je sais même pas si on va avoir encore un deuxième vidage. Quand les gars, on va prendre le truc le plus cher pour vider. Non, franchement, les gars. Et regardez, les gars, on fait un style, les gars. Regardez la minia. Minia. Minia, une petite miniature là. Stylé. Voilà, encore franchement, les gars. Ouais, bah oui, il y a plusieurs volets, les gars, sur cette mauvaise batte. On va avoir fini. C'est avec classe. En vrai, c'est déjà pas mal, hein. Je pense qu'après on va se passer un coup de... On va attaquer l'autre mission parce que j'ai déjà pris une mission. On va attaquer la mienne. On va rendre le matériel... Parce qu'on a loué le matériel, c'est sûr. On est obligé de la louer les gars. On va pas faire une moissonneuse à 30 000 euros. Alors c'est ma moissonneuse, je crois qu'elle a coûté que 30 000 euros. Je sais plus combien elle coûte. Mais bon... pourquoi pas, hein. Mais bon, c'est trop... Je sais pas. Non, en vrai c'est de la merde. Non, mieux prendre une petite classe méga. Elle est plus chère. Mais elle est déjà mieux, tu vois. Et bon, on va pas prendre un truc trop ancien non plus. Là, juste oui, parce que c'est pour prendre la location la moins chère et gagner plus de thunes. Après, la bonne, ouais, tu vas plus la louer. La bonne, les gars, moi je la garde après. Après, la bonne, si on a besoin en mission. Après, en mission, elle aura... Et après, les gars, les missions de cultivateur, après, on aura besoin même plus de louer le matériel. On a juste pas besoin de mon matériel, donc c'est bon maintenant. C'est qu'après, mon cultivateur c'est qu'un 3 mètres. Juste les gars, c'est le minimum, c'est bien. Dans le délire là. Alors fini les gars, on va les vider. Je sais même pas si on pourra vider un petit peu avant et de finir. Je pense qu'il faudra qu'on vide avant pour peu. C'est pas grave. Mais les gars, par contre, le vidage est long hein, par contre, en vrai. Ouais, on va vider directement après, non? On va voir, on verra. Là pour l'instant, je pense que. Non, en vrai, les gars, ça va tout juste tenir. Non, ça va pas tenir, les gars. On va juste vider un petit peu. On va juste vider vraiment, on va juste vider un minimum et on videra un coup après là. Je vais en vider juste un peu. Ouais, à 95%. Je vais vider, je pense, jusqu'à 80 à peu près. Je vais quand même les voir libres parce que, bah oui, comment ça va être en station. Je préviens bien les gens. Hop. On s'arrêtera à peu près à 75%, 80% et on videra un coup après. Ouais, hop, c'est bon. Moi, on sait que. Ah, c'est. Hop, c'est bon. Regarde, vous pouvez mettre Waringa sur clavier souris. Non. Pourquoi j'ai. Non. Non, puis voilà. Non, en vrai, ça va peut-être pas passer, je sais pas. Non, mais mieux qu'on prenne pas le risque. Et... Si ça a pu passer. Non, je sais pas. Ouais, c'est pas grave. Non, mais je crois que ça allait pas passer. Non, je crois pas, pour de peu, hein, vraiment, pour de peu. C'est pas grave.
passe après. On va les vider ensemble, les gars. Et puis après, je pense que on va s'attaquer avec l'ouvrier. On va s'attaquer. On va pas remettre l'ouvrier, il est en galère. On va pas mettre un ouvrier. Parce que peut-être on s'attendra des ouvriers pour avancer plus vite. Mais bon, on sait qu'on va perdre de la thune en même temps, donc c'est compliqué. J'ai un contrat avec le loup. Je sais pas. Je vais regarder juste de zone galaxe. Ok, je vous vidéo, les gars. Il est actuellement lundi 24 août 18h55. Donc c'est pas mal, hein. Non, mais on a. Donc on est à 1h40, 1h45 du stream. Non, c'est vrai qu'on lance plutôt ce soir. Non, 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 c'est plutôt. Ah non, c'est vrai qu'on est mal foutu là. On va aller vider ça. Ou on a 80%. C'est pas grave. On va mettre un coup de culti la prochaine fois ou pas, on verra. Si on n'est pas plus qu'à son production, on va pas beaucoup l'utiliser. Parce que soit faut acheter de la semence et. De louer soit une semence, je pense qu'on n'utilisera pas tout de suite le champ. On va laisser comme ça et on verra ça plus tard. Tu vois, qu'on fasse un énorme stream et qu'on fasse que des missions. Mais des fois c'est galère, là il y a rien qui pousse, faudrait qu'on accélère autant. On va s'en live, les gars, ok? Il n'y a pas grand chose, je crois bien. Mais... Déjà, ça nous dépanne. On va garder le truc le plus cher. Bon, on a notre matériel. On va juste le rendre juste après là. Dès qu'on a fini, on va rendre la moisse batte. On arrêtera la location parce que c'est par jour la location. Je sais qu'on a quand même perdu du temps parce que voilà. On va juste rendre le matériel. On va juste rendre la location. Finalement, avec la location, c'est que tu peux rien. Tu peux regagner de la thune. Hein, alors. Attends. C'est ça les feuilles là. C'est quand on va accélérer jusqu'à 7h, voir est-ce que ça augmente. Ah oh, ouais, ça augmente un peu. On va attendre juste un petit peu, on va attendre 8h à peu près. Donc on va soit à peu près à 1200-1230. On va faire gaffe, franchement, on n'accélère pas beaucoup dans cette série. Je sais que là on galère un peu, mais bon, faut qu'on gagne quand même maximum de temps. On va attendre 8h. On est 1200. Ouais, allez, 1250 ça peut être pas mal. On n'a pas de balle. Non, ça va faire pas les champs. Ça va être très les champs. Qu'est-ce que ça peut parler là? Ah, ça a récolté! Oh merde, putain! Merde, ça a... Non, attendez! Oh non, ça a récolté! Oh ouais, mais on est en train de perdre de la thune! Bref, on va aller sur le point 1. Combien là, le point 2 là? Ah bah c'est juste à côté, c'est bien! C'est aussi où vous allez le vider! Ah, il y a de la thune en vrai! Hein. Bah c'est nice, c'est juste à côté, c'est bien! Il veut qu'on gagne de la thune, hein! Bon, c'est pas grave, on a pas eu des champs, on fera ça et puis c'est pas grave. Hein. Ça sera en live et puis là. Qu'est-ce qui se passe? Avec un pour le champ 10. Ah ouais, bah c'est sérieux là. Ok. Je vais changer ça en route et sauf que le délire. Ah, ça change, ça doit attendre. D'ailleurs, je change il est comment? Ok. Bah, les gars, je vous laisse, les gars, je vous tournerai ça la prochaine, bah demain. Et bien, amis, écoute, moi, gars, on se retrouve le lendemain. Voilà, on se retrouve le lendemain de cette vidéo. Voilà, on a acheté un cultivateur aussi, on va peut-être le prendre après. D'ailleurs, objectif cultivateur validé. J'ai pas eu le temps parce que voilà, on affichera ça dans la prochaine vidéo si vous voulez bien. Voilà, il y aura le deuxième objectif validé. Les gars, je vous fais gaffe maintenant accélérer et je ramène tout ça au champ. A tout de suite, les abonnés. A tout de suite, les abonnés.
voilà les gars, on est bientôt arrivé les gars, on va bientôt attaquer les gars. Par contre le chariot les gars, je vais pas mettre sur la grande route, je vais décaler un petit peu, voilà, devant la route et j'ai déjà avant là parce que bah j'ai envie quand même de l'avoir de coupe. Et bah les gars, on est en train de se réfléchir aussi pour la série hein, d'Astro Weekend, et quand même c'est une série dure, je vous le dis, sur partenariat, c'est pas une série facile. On a encore une mission. Alors, vous allez me dire, ouais mais Kin, l'épisode va durer combien de temps? L'épisode va durer du temps parce qu'après on va commenter l'argent. L'argent quand même c'est 30 000 euros, ça va nous aider à nous financer bah, le budget simplement. 30 000 euros, ça va nous aider à financer, voilà tout simplement. Parce qu'on va nous toucher de financer les gars, vous avez vu le prix les gars. On a 4 000 euros avec des frais. Bon on est un petit peu obligé d'avoir des frais les gars, hein. On va être un petit peu obligé. Mais les gars, ça va pas être simple cette série. Je pense qu'on est plutôt sur 60 épisodes, 70 épisodes, même 80 je dirais. On est très comme une grosse série de longue. Je sais pas si on arrivera à tout terminer la série. Non, par contre, faut que ça avance. Hein. Vas-y, on va essayer de passer le piéton. Ouais, c'est un peu ma part. Je vais passer ce trottoir. Je pense que là, j'ai même plus de place. Hein. Bah ouais, hein, ça va être compliqué. Hein. Bah, non, ça va faire gaffe. Ça va être la merde. Là. Par contre, c'est la merde. Vraiment, je vous dis, c'est clairement la merde là. Parce que faut faire gaffe, c'est de reculer la barre de coupe. Hein. On va reculer le champ là, le tracteur là. On va être un peu obligé là. Ah, par contre, lui, il nous vient ou quoi là? Il est pas poussé lui. Bon, bah, il va être un peu obligé, gros. Fasse quoi là? Ouais, attendez. Ah, mais ça fait quand même un peu près. Vas-y, avance. Ouais. Il y a la voiture qui bloque. C'est mon warning quand même. Ah non, c'est pas possible. Je viens de me partir là. Ah, c'est chaud là par contre, hein. C'est chaud m'amène, hein. On va pas y arriver. Hein. Bon, le général, le chat il est petit, ouais. En vrai, c'est bien qu'il soit petit. Par contre, on va attaquer directement une autre mission après. Hein. On va se prendre ici quand même, hein, attention. On va reculer la benne. Là. On va mettre ça en place. De toute façon, on va pas la sortir. Parce qu'après, quand on aura notre boîte de base, déjà, en tout cas, le but c'est qu'on achète du boîte bat et tout, tu vois. Et après, commencer la deuxième et casser la forêt en même temps. Ça va être un peu ça l'objectif. Hein. Par contre, je vais faire un peu de mi-tour. Hop, on va arrêter le clignotant. Ouais, c'est un petit peu tapé par contre. Hein. Ouais, ok. Ouais, on va voir est-ce que ça passe là. Ah, ça tape là. Ouais, ça, faut être exactement un peu, non? Attendez les gars, c'est compliqué les gars, c'est short quand même là. On a deux piétons, on va attendre. Non, attends, on va attendre warning pour l'instant parce qu'on va encore rebloquer la route. On avance plus vite là-dessus. Là. Merde. Bon, on va me signaler. Ouah, c'est chaud quand même hein. Bon, let's go les gars. Je crois qu'on a pas un petit vraiment mini temps. On met. Alors les gars, on attaque directement le deuxième objectif. On est là directement avec des premiers sondages. Il y a comme 300 sondages dans cette vidéo. On met combien de moutons pour objectif simple? Parce qu'on va encore parler des moutons. Avoir 30 moutons ou avoir 50 moutons. En vrai, les gars, tout cas, on va pas arriver avec ce objectif là. 50 moutons, ça fait quand même beaucoup quand même. Mais faut se dire quand même, l'objectif là, c'est quand même un bon budget quand même. Voilà, on va se dire. Ah, je suis en 9 les gars, on pourrait le faire en voyant le champ de patates là. Hein. Le champ 9, on pourrait vachement le faire. Hein. Mais vraiment, c'est pas vraiment le truc qui va prendre plus de temps. Hein. Moins de plat. Donc voilà. En vrai, les gars, on a quand même des mini-champs, mais c'est toujours bien aussi. Sauf quand même, c'est cher parce qu'on a quand même des mini-champs comme ça et c'est vraiment tout seul, on aurait déjà bien acheté avant.
Mais en vrai, déjà le champagne, déjà ça va nous dépanner en récolte. Déjà, il faudra qu'on achète un semoir avec. Et après, la skimoise pâte. Mais bon, il faudra qu'on fasse ça quand même des prêts. Hein. De toute façon, on va pas avoir le choix. Si on veut bien acheter, si on veut acheter la classe, il faudra qu'on fasse des prêts. Des intérêts, je veux vous dire. Bah, des prêts, ouais, des intérêts. Donc, on aura quand même des intérêts. Parce que, ben, on est obligé d'avoir des intérêts de droit. Vous avez des prêts, des intérêts. Donc, les intérêts du prêt, de toute façon. Donc, c'est quand même assez cher dans cette série. Franchement, d'avoir ce style-là, quand même. Ouais, mais c'est short quoi dans cette série, tu vas jamais y arriver. Bah, le but, les gars, c'est qu'on va quand même y arriver. On va y arriver. On va arriver dans un stade, mais il faut qu'on fasse des lives avec. Là, on n'a pas fait beaucoup de lives ces derniers temps. Là, on va reprendre un stream. On va avoir un stream 1h30 ce qu'on faisait habituellement. Donc, ouais, non. On gagne en récolte, quoi. On gagne en récolte. On gagne en récolte. Et franchement, les gars, ça fait vraiment plaisir de se dire, ouais, mais Kevin, tu es en train de. Pourquoi t'achètes des champs? Faut voilà. Mettre une série moins dure. Bah, c'est ça, cette série, les gars. Quoi, saison 2, c'est encore. Je sais même pas, ça sera plus dur. Alors, c'est vrai que les gars, ce qui nous déconcentre dans cette série, les gars, c'est que c'est vraiment des parcelles. Donc, on va avoir plusieurs champs directement d'un coup. C'est pour ça que c'est très cher, les champs. C'est pour ça que vous dites, les gars, j'ai mis des objectifs chers parce que on va avoir du mal à avoir des champs, des tracteurs et tout. C'est déjà short. J'arrive pas trop à vous faire ça. C'est pour ça qu'on est comme des outils. Ouais, mais tu vas pas. J'arrive pas, les gars. Bon, on n'arrive même pas. Avoir traiteur minimum, il reste encore plus que ça à faire. Il reste encore traiteur sur des chevaux. On n'a encore pas amélioré parce que. Bah, je vois pas encore le délire d'améliorer, mais il faut qu'on l'améliore au sein de ces 4. Hein. Faut qu'on l'améliore parce que déjà, il y a le cultif et 110 chevaux. On voit tout de suite l'améliorer pour avoir un truc, mais bon, je crois qu'on va acheter un autre tracteur dans ce truc-là. Et franchement, les gars, ça fait plaisir. Je vais m'acheter un tracteur de 160 chevaux, mais pour l'instant, je vais m'acheter moi se battre pour accomplir et d'avancer vraiment sur mon chemin à moi. D'acheter un semoir de combien de mètres, je crois. Donc je vais y rassurer les budgets. Mais voilà, c'est cher quand même dans cette série d'avoir ça. Pour ça, les gars, j'aime bien faire les missions de moisson parce que bah, ça gagne de la thune. Et ça fait plaisir qu'on gagne de la thune. Donc voilà. Bref, amis, les gars, je fais un petit accéléré. Puis on va faire vraiment un petit, hein, vraiment un petit. Ouais, bref. Un mini accéléré. Et on se retrouve vers la fin pour vider. A tout de suite. Tout le monde, voilà. Donc, on va t'avoir fini, les gars. On va t'avoir fini. D'abord, comme que du temps l'accéléré, vous avez comme vu, elle a duré presque 5 minutes. Bon, c'est pas grave. Hein. Donc, on a accéléré quand même, mais ouais, bah oui, ça nous perd moins de temps sur l'épisode. Et voilà, ça réduit l'épisode. Parce que bon, si on peut. Et les gars, si on peut pas accélérer, les gars, je vais plus à 50 minutes, les gars. Et qu'on a déjà fait un 36 minutes dans la gueule et qu'on a fait un épisode d'une heure. Oh, c'est déjà fini. Enfin, fini vite. C'est vrai qu'en plus, les gars, j'ai fait une grosse connerie, j'ai vidé, donc c'est déjà fini le contrat. Bon, on va finir le vidé parce qu'on va nous gagner la thune. Parce que là, comme on a fini le contrat, on va le récupérer, les gars. On va finir ça. On va récupérer, d'abord, on va vider, les gars. On va gagner directement la thune. Bon, bah, bien, hein, tranquille. Pas grave. Ça arrive, hein, des fois, mais j'ai vidé, donc comme ça comptait dans le contrat, bah, c'est pas grave. Donc, c'est pour ça qu'il dit, c'est déjà fini, bref. Pas vraiment grave, on fera ça avec la prochaine fois, les gars. C'est pas grave, on va attaquer une autre mission. Bon, comme il y a des oublis, je vais pas les récupérer au final. De toute façon, c'est mort. Quoi, il y aura juste à la vider et puis c'est fait, puis c'est bon. Ok, les gars, on récupérera directement la location après. Non, mais quand tu as acheté, pourquoi tu gardes pas ton véhicule et pas... En vrai, gars, je suis pas con. J'aurais pu prendre un truc de mon matériel, c'est sûr. Mais ça, tu es pas débile. Hein. J'aurais dû prendre un truc du contrat, ouais, laisser valider le contrat et récupérer que l'argent après, tu vois. Ouais, c'est pas con, hein. Ouais, on aurait pu gagner de la thune, bref. C'est pas grave. C'est qu'on a gagné, ouais. Ouais, et puis c'était pas tort. En tout cas, c'est pas tort, hein, les gars, tout ça, c'est ce truc là. On va les vider directement. On a pu ramener mon tracteur en plus. Après, on va aller valider tout ça. On va les vider là-bas. Par contre, je peux vider n'importe où là, normalement. Ouais, je vais quand même vider au point 2. Je sais que c'était point 2, donc. On va pas faire gros chien. On va vider là-bas. On aura de la thune, hein. Bien sûr, on aura de la thune. Bah, on aura de la thune gratuitement, par contre, hein. On a quand même 9 000 comptes. Par contre, le côté, ouais, ça nous a pas 1%. Non, 27%, ouais, c'est pas beaucoup, hein, ouais, de toute façon, c'est pas beaucoup.
Ah, faut pas. C'est déjà 27, 27. Attends, si je fais venir n'importe où, je vais regarder où je peux gagner de la thune. C'est quoi déjà? C'est de la one. Bah oui, au bois, au moulin. Au moulin. Au moulin. Marquer l'endroit. Ouais, bah, c'est là-bas, donc c'est simple, c'est clair. En vrai, 1271, ça va en vrai. Hein. Bon, ça va en vrai. Donc, de l'élite. Je pense qu'on va gagner vachement de thunes, hein, on va compter hein, sur ça. De mieux faire plaisir le stylo. Bah, let's go les gars, on va ramener ça. On va ramener ça avec vous et on va attaquer une autre mission parce que on va peut-être pas la finir. Hein. Je pense pas qu'on la finisse, mais qu'on l'attaque bien maximum. Ah, bah, on la passe largement. En vrai, je suis quand même bien rangé, mais je pense qu'on est bien largement. Eh, hein. Bah, par contre, il y a un tracteur, hein, on va continuer. C'est vrai qu'il faudra que je ramène ça. What? Donc ouais bah ça guys maintenant c'est notre champ. Il faudrait qu'on achète un semoir et puis après bah. Après guys on peut faire de la moisson, on peut prendre un de contrat hein. Vous êtes peut-être pas bête hein. Vous êtes pas bête les abonnés hein. Bah ouais en vrai pourquoi pas hein. Pourquoi pas les abonnés, pourquoi pas. J'ai pensé à hier en parlant un petit peu hier sur ma chaîne YouTube que Vincent Susibine. Ah faut pas être débile, faut pas être débile, faut pas être débile. Bref. Non on a parlé ça en live, vous avez dit donc, en live on avait parlé ça en live sur la chaîne Kim CD donc comme dealer aussi tu vois. Ah non, j'aurais pu prendre un contrat. Bref, c'est pas grave. On va pas tomber dessus parce que tu vois, on va la récupérer directement. Parce que là, on veut directement gagner. Hein. Donc c'est gagnant. Parce qu'on s'en fout, on gagne de la thune. Là, si on peut gagner de la thune à mort, là. On a 600 euros. Je peux compter le vidage. De toute façon, tu peux compter directement le vidage. Pouah, la thune. Voilà, pouah, la thune. À 4000 euros, on a 5000 euros. Ah oui, parce que c'est normal. Ça fait 627 euros. 10 000 euros. 10 000 euros. On a près de 10 000, hein. Ah non, on a qu'un près de 5 000. On peut le rembourser si on veut. Si on est plus embêté par les aides, on peut. On peut faire. Mais ça fait 5 000 euros. Je pense qu'on avait un près de 10 000. On va attaquer une autre mission. On va attaquer directement une autre mission. On va attaquer une autre mission. Je vais bien faire une mission d'épandage. On va essayer un 19, il est comment? Il est grand, non? Ouais, il est grand. Il est grand. Je vais bien faire une mission d'épandage, mais vraiment que ça soit petit. Mais donc, on a des récoltes. Je suis en 9. Il part plus cher. C'est vrai que ça se voit qu'il part plus cher. Non, mais en vrai, ouais, on verra ça. On a du coton, on n'a pas fait de coton en vrai, depuis un moment là. On s'est pas fait un travail de champ. Attends, c'est quoi? C'est quoi comme champ là? Je suis 24. Vous êtes sûr les gars qu'on fait un travail de champ? Bah, vas-y, hein. Ah, c'était le contrat parce que d'ailleurs, on a besoin d'accepter le contrat. Donc, on peut prendre notre truc. Hein. Bah, ouais, on peut prendre notre matériel. Hein. C'est quand même plus grand, mais bon, on va essayer de le faire, ouais. Ouais, pourquoi pas, on va ramener ça. Ouais, bah, let's go, on va faire comme un travail de champ alors. Au final, et après, c'est juste à côté, donc c'est pas mal. On va ramener ça à la ferme. Bah, ouais, c'est pas mal. On gagne combien? En fait, on gagne 500 euros. Bah, ouais, on l'a même pas loué, donc ça va. Bah, vas-y, refaire si. On pourra directement attaquer ça. Après pour nous cultiver, on va tenir ça en live. Et puis c'est chaud. On va répondre au deuxième sondage. On met combien de cochons pour ici le sanglier? Parce qu'il y aura les cochons aussi dans cette série. Avoir 15 cochons ou avoir 20 cochons. Je mettrai vraiment maximum parce que c'est vraiment grand maximum qu'on va faire. Les cochons, les gars, c'est vraiment les plus durs. On perd vraiment de la thune sur ça. J'ai envie de le faire, mais vraiment pas beaucoup de choses. On met très peu. Toi, les moutons, 50 moutons, tu vois. Moi, c'est validé, tu vois. C'est validé à fort, tu vois. D'abord, donc bah ça va attaquer directement quand on aura le deuxième champ parce qu'on attaquera pas avant. Mais d'ailleurs, faudrait qu'on ait du champ à la forêt après, hein, c'est pareil. Faudrait qu'on loue une machine à faire par contre, c'est 9000 euros quand même. Hein, attention, je pense que ça va la reculer hein, parce que ah oui, c'est qu'elle est sur deux lits la machine. Ah oui, mais tu vois, c'est impossible. Pas grave, on va essayer d'en mettre droite pour qu'elle soit géniale en location. Enfin, c'est vrai que pour la benne, on va vendre pour avoir une bonne, meilleure benne. Hein. C'est juste à côté, on va faire directement dans le champ, mais on va travailler dans le 6ème objectif. On n'a pas fait beaucoup d'accès, je trouve qu'on a fait que 2 ou 3, je crois bien, maximum 3. Entre 1 à 3, mais je pense pas qu'on. Non, on en a fait 2, on en a fait 2, je crois, on en a fait 1 quand même. Donc ouais, c'est le 2ème, je crois bien, c'est que le 2ème. Bref, on va faire un 3ème, et puis après, je pense qu'on va rater là, de toute façon, pour aujourd'hui. Je pense quand même on est déjà pas mal, non? Ouah putain, par contre les gars, infraction les gars, dans un cas c'est infraction. Hein. Si on respecte le code. On l'avait fait en école celui-là par contre, je me rappelle. Ah putain, mais c'est quand même long là. Et toi par contre, il est stylé le truc là? What? Super masse?
Ouais, c'est trop stylé la couleur avant, moi je kiffe. Quand il est petit, mais après on pourra le vendre pour acheter un peu cher. Ok, pour 500 euros, ça nous fera bah, du. Ah, même pas 6000 hein, encore. Donc, ce qu'on va faire avec, attention, on a un prêt, on a plus de prêt là. On avait 10 000 euros, parce qu'on avait comme un prêt, je pense qu'on avait un prêt de 10 000 et on avait à peine pour rembourser. On a remboursé, on a gagné, j'aime bien faire que des mini prêts et on arrive à les rembourser vite fait. On a fait une récolte à 4000 euros, c'est qu'on l'a remboursé en 2-2. On peut faire des récoltes à 4000 euros, c'est déjà arrivé ça. Hein. Mais bon, pour le 76, par contre, on va peut-être faire une grande récolte. Hein. Par contre, niveau de thunes et tout, je pense qu'il y a moyen qu'il nous fasse de la peau de thunes. Donc, je pense, les gars, je vais bien voir le prix. Je pense que le 76, on est plutôt sur 3000 euros la truc. Hein. Ouais, mais il faudrait qu'il ramène un gros truc, hein, parce que bon, sinon, on n'a pas fini. Là, par contre, il faut ramener un camion pour le 76. Et voilà, vraiment, si un jour, il y a un assiette à le 76, je pense que. C'est quand même plus cher, tu vois. C'est quand même plus cher, c'est quand même le plus cher. Voilà. Bref, on va attaquer le sixième objectif. On met combien? Non, c'est le dernier. Ou avant-dernier maximum. Je pense que ça sera quand même l'avant. On fera quand même chance, ça serait quand même le dernier. Ou l'avant-dernier. Je sais pas, on verra ça avec l'objectif, le sixième objectif. On met combien? On met 220 000 ou 240 000 euros. Tiens, bah, putain, mais ça serait abusé. Vous avez vu qu'un champ là, il coûte 700 000 euros la parcelle, les gars. 686 000, j'aimerais vraiment faire un 7ème objectif et faire un objectif final, je sais pas si on fera ça. Voilà, c'est quand même beaucoup. Ouais, mais Kim, ouais, après pourquoi pas. Je pense que les gens ils vont bah, ouais, mais ça fait comme beaucoup pour ton truc et tout. Ça fait beaucoup, c'est normal. Okay. Ok, les gars, franchement, ça fait beaucoup. Ok, gars, on finit dans les liens, on va mettre pour l'accélérer. Et je pense qu'après, on se retrouvera pour je pense, une minute ou deux, d'épisode. Et après, on va couper. Pour aujourd'hui, voilà, merci de vous avoir reçu. Merci les gars, rendez-vous ce soir en live. Hein, parce que là, je suis dans le même jour. Donc, rendez-vous ce soir en live à 20h30. N'hésitez pas à être rendez-vous entre 20h25 et 20h35 en stream sur ma chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube, ah oui, sur ma chaîne YouTube, c'est fort. Et on va peut-être stream cet après-midi. J'ai pas trop qu'on va stream cet après-midi sur ma chaîne. Pour ceux qui se demandent là, à 18h, j'aurais pas stream. Donc, non, j'aurais pas le temps de vous faire le montage et le traitement. C'est très short. Pour ça, t'as du temps. On streamera peut-être demain. Et bah, on se mourra avec vraiment pas pour les paysans. On se mourra vraiment bien la semaine prochaine. On verra cette semaine. On verra cet après-midi. Vraiment, si la vidéo sort vraiment de bonne heure. La vidéo est 14h, faut qu'elle sorte à maximum 18h. J'aimerais bien sortir à 17h30 si on veut stream. Un maximum. Et ça sera vraiment fin de soirée. Et on fera un stream cul d'une heure. De toute façon, on sera juste bah, la série des pommes de terre et les paysans. On sera la semaine prochaine. Et tranquille. Mais parce que par contre, ça va être compliqué, les gars. C'est pour ça que le dimanche, ça sera deux séries. Et partenariat, on verra si on pourra faire deux séries. Voir en fonction de l'avancement, mais je pense pas. Ah mais les gars, j'ai un petit accéléré. Attends, je finis ça. Je vais récupérer ça. Un accéléré, les gars, et puis on se termine avec ça. Hein. Allez, à tout de suite. Bon, on va essayer de finir ça parce que quand même, pour finir ça, on va couper pas ça pour aujourd'hui. Merci de vous avoir reçu, c'est un vrai plaisir de faire cette vidéo. Voilà, c'est un vrai plaisir. Rendez-vous sur en live à partir de 20h30 en live. N'hésitez pas bien sûr à venir, à commenter. N'hésitez pas bien sûr à faire un tour dans le chat. N'hésitez pas à faire un tour sur le live. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en passant sur le live. N'hésitez pas. Et puis voilà. Et puis voilà les abonnés. Ouais, on va essayer de finir ça. Les oublis, je les gourmets. Clairement, je pense qu'on a presque fini. Hein. Clairement, on a presque fini. On va pas finir ça en live. On va faire ça en vidéo. Non, on va quand même faire un autre contrat en plus. On a fait notre champ, on a fait tout ça. Non, on pourrait faire notre champ aussi, mais on fera ça plus tard notre champ. Parce que bah, pour l'instant, il faudrait bien qu'on essaie de la semence et après bah, d'acheter un truc de semence et après d'acheter un mois de batte. Ce sont bien nos objectifs. Et puis voilà. Et puis merci de vous avoir reçu. C'était un réel plaisir. Vraiment un réel plaisir. C'est quand même cher, tu vois, dans cette série là. Et je crois que oui, je vais faire un semoir de combien de 7 mètres. Non, putain, de combien de 7 mètres. Ah non, c'est un semoir de 4 mètres. Depuis combien de semaines, je regarderai ça avec vous, les abonnés en live. Je crois que j'ai enregistré ça. Je m'en rappelle plus. J'ai enregistré, gars, je vais faire à l'écran. Je vais faire à l'écran directement là. Et puis, ouais, si je serai ou bien. Bien ou bien. Voilà, bon, les amis, merci de vous avoir reçu. On va finir ça juste d'abord et voilà, puis après, on va arrêter là.
Il est 9h23 la pendule télématin. Ouais, en plus c'est la fin de télématin. C'est la fin de cette édition. Ah bah oui, on finit le live. On finit le live, on finit la vidéo. Il a la pendule la penche. Donc voilà, il reste plus grand chose, on va finir ça. On va finir ça avec vous. Je pense qu'on va quand même prendre 2 minutes ou quoi là. Parce que c'est quand même long, non? Le mec il peut gêner, ça prend du temps. Et voilà, puis merci d'avoir reçu, c'est super bon, et que ça vous plaît les vidéos, les lives, et puis voilà, c'est tranquille. Il y a ce monsieur, les gars, farming, guys, ça sur la chaîne secondaire Kevin Cédier. Ça n'hésitez pas à aller la rejoindre, c'est un plaisir. Du plaisir qui arrive, voilà. Merci d'avoir reçu, c'était un plaisir. De toute façon, il n'y a pas de plaisir sur le live, c'est pas possible. Sur la vidéo, je veux dire. Oh, le mec, ouais, il ne met aucun plaisir sur la vidéo, sur le live et tout. Non, ouais, non, bref, comme vous m'avez plaisir quand même, attendez, abonnés, attendez, vous êtes là pour rien ou quoi? Pourquoi? Et c'est fini, merci d'avoir reçu, d'avoir ramené ce juste là-bas en haut, 501 euros, parce qu'on n'a rien loué, en vrai, on n'a rien loué. On va juste prendre une bonne récolte, champ 15, il est comment? Oh, beau champ 15, beau champ 15. Ok, donc ça c'est travailler directement. Il n'y a rien du tout. Donc voilà, c'est validé. Ah, ça c'est normal. Je vous laisse le champ, les abonnés. Donc on va laisser ça pousser. On est à 5859, on va ramener ça à la ferme. Et bah, mes amis, vraiment, j'espère que ce vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche pour savoir les prochaines vidéos. N'hésitez pas, et bien sûr, rendez-vous ce soir en live à 20h30. Bah, entre 20h25 et ça, etc., les gars. Bah, j'arrive pas tôt. Merci d'avoir reçu. Hein, 9h25, merci d'avoir reçu, c'est un plaisir. Et puis rendez-vous ce soir en live à 20h30. Hein, n'hésitez pas. Allez, Boy Simmer, les abonnés. Boy Simmer. Merci de t'avoir reçu, puis voilà. Puis on se laisse là. Pour ceux qui veulent voir la chose. Hein. Oh, les gars, franchement, le concessionnaire, c'est vraiment un truc que. Hein. Voilà. Et bien, amis, j'espère que ce vidéo vous aura plu. Laissez un petit pouce bleu. Ah, vous avez été avec moi sur les prochaines vidéos. On se retrouve ce soir en live. À votre enfant. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Là, quand même. Voilà. Merci de t'avoir reçu, tu vas. On va s'asseoir en live et dans la vidéo. Boy Simmer.